Bon, je vais faire un test avec le R48 intelligent. Je suis en mode torque, le couple autrement dit, et en cinquième assistance, autrement dit le maximum. Et je vais monter cette partie de la côte, la Vénandry, à partir de la ligne jaune ici. Je vais voir à quelle vitesse que je peux monter en utilisant seulement l'accélérateur. Et ensuite, je vais l'essayer avec la cadence, voir si ça a une incidence, que ce soit sur un ou l'autre. Est-ce que l'accélérateur est influencé par le mode? Donc, je commence. Je vais me servir seulement de l'accélérateur pour monter. On va voir à quelle vitesse il va monter. Vingt-deux, vingt et un, vingt, 19, 19,4, 1, 18, 18,6 a été le plus bas. Jusqu'aux petits arbres ici. Je réessaye avec la cadence. Donc, on retient 18,6. Alors, je recommence le test. Même vitesse sur le dérailleur. Maximum distance. Mais cette fois-ci, on va aller en mode cadence. Même côte. Même endroit pour le départ. Et je me sers seulement de l'accélérateur. Ça fait qu'on part. Tantôt, on est monté à 18,6, je me souviens bien, oui. Maximum, on va voir si. La cadence a une incidence sur la vitesse en me servant seulement de l'accélérateur. 21, 20, 19,4, 18,6, 18,4. Oh! Là, ça pointe ici, je pense. Et on arrête aux petits arbres. Voilà, 18,6, 18,4, ça vaut pas la peine d'en parler. Donc, on peut dire que c'est la même vitesse et que ce soit en cadence ou en torque, ça a aucun effet sur l'accélérateur. Fait que c'est testé avec le R48i, que ce soit un ou l'autre, avec l'accélérateur dans les mêmes conditions. La même vitesse de dérailleur, la même assistance, la même côte, tout, il n'y a pas de changement de l'un avec l'autre. Voilà, le test est fait, la preuve est faite. Ouh.